Les pieds largeur de bassin, c'est parti. On inspire, on monte. Et on souffle, on redescend tout doucement. On prend tout de suite ses référentiels. On inspire, on monte. Si vous voulez me voir en gros, vous appuyez sur l'épingle. Allez. Tout le monde me voit là. Allez, encore un peu. Combien on est? Ouais, c'est ça. On est complet. Allez, on décollera les talons. On monte, on décolle les talons. Et on redescend. Encore. On inspire, on monte. Et on souffle, on redescend. Continuez. Encore un peu. On étire bien sa colonne. On pousse les fesses vers l'arrière, vers les talons. Encore deux. Le dernier, on restera en bas. On tient. Et on remonte, on attrape son ballon, on bouge ses jambes. Très bien, on prend son ballon et puis on va monter un genou, on va alterner genou droit et genou gauche. Allez, on continue. On souffle, on inspire, on souffle. Si on veut, en même temps, on appuie sur le genou. On appuie, on pousse le ballon sur le genou. Et on souffle. Allez, encore un peu. Allez, encore un de chaque. Très bien. Le prochain, on reste. On met les deux mains sur le ballon. On appuie, on ne doit pas bouger. Et on maintient. On baisse les épaules. On inspire, on aspire le nombril. Allez, on tient. On ne tombe pas. Et on repose, on change de genou. Allez, on s'est grandi. On tient pas sa maman, Justine. Allez. Allez, on tient, on tient, on tient. Et on repose, on enroule. On descend jusqu'où on peut. On met ses mains sur le ballon. On fait rouler un petit peu le ballon vers l'avant, on va se pencher vers le ballon et on vient décoller ses talons. J'inspire, je repose, je souffle, je décolle mes talons.
Ok? J'essaie de faire un dos droit. Voilà. Je souffle, je décolle les talons. Ça doit tirer dans l'arrière des jambes. On souffle. Allez, encore un peu. Dernier, on reste décollé, on tient. On repose les talons et on viendra dérouler. On vient poser son ballon sur sa hanche. On plie sa jambe d'appui et on souffle, on décolle. On inspire, on revient et on souffle, on décolle. Pliez un petit peu la jambe d'appui. Voilà, grandissez-vous. Allez. Hop. Si on n'a pas l'équilibre, on tient le mur. Hein. Allez. Encore un peu. Le prochain, on restera, on tient et on appuie, on pousse le ballon sur la cuisse. Allez. Allez, on reste, on reste, on reste. Si ça va, hop, le bras opposé à la jambe. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on repose, on bouge les jambes. Super. Allez, on changera de côté. Coucou, la retardatrice. Comme ça qu'on dit. Allez. Allez. Hop. Hop. Allez, on fait glisser le ballon. Si on n'a pas l'équilibre, on met la main sur un mur. Très bien, encore un peu. Allez, encore un. On reste, on appuie. Très bien. Maintenant, on inspire et on souffle, on fait une rotation de buste, mais le bassin, il reste fixe. On inspire, on revient et on fera la même chose de l'autre côté. On s'étire, on se grandit le plus possible sans monter ses épaules. J'inspire, je reviens. J'expire, rotation du buste. Mon bassin, il reste fixe.
rajoute, je presse le ballon. J'inspire, je reviens et je presse le ballon. Allez, encore un peu. Le prochain, je resterai dans la posture. Allez, et là, je vais faire. Je souffle, je presse, j'inspire, je relâche, je souffle, je presse, je le ferai 3 fois. Puis, je reviens au centre et je referai pareil de l'autre côté. Je reste en posture, je souffle, je presse. 3 fois, je prends mon temps. À chaque expire, je serre le ballon. Et je reviens. Chacun son rythme. Allez. Vérifiez vos épaules, elles ne doivent pas monter. Encore. Allez, un petit dernier. Et on revient et on enroule, on descend. On met son ballon aux chevilles. Vous serrez le ballon, donc vous ouvrez un tout petit peu vos orteils vers l'extérieur. Et vous serrez le ballon avec vos chevilles. D'accord? L'exercice est le suivant. J'inspire, je souffle, je viens décoller les talons. J'inspire, je redescends. Ok? Je souffle, j'engage bien le ventre. Hop, je décolle, je serre le ballon. Allez, encore. Je serre les fessiers. Encore un peu. Allez, encore 2. Le prochain, si ça va, je reste en haut. Allez, je reste. On serre les fesses. Et on repose. On vient chercher son ballon en pliant ses genoux. Et on viendra mettre le ballon entre sa cheville, entre son mollet et sa cuisse. Là, on a le droit de se tenir contre un mur. D'accord? L'exercice est le suivant. J'inspire, je monte genou, je souffle, je vais vers l'arrière. Ok? Allez, on inspire, on monte. Et on souffle, on va vers l'arrière. Encore. Si c'est trop dur avec le ballon, vous enlevez le ballon. Ok? Rien ne bouge, votre corps en haut, il ne bouge pas, c'est que la jambe. On contrôle. Prenez votre temps. Allez, le prochain, on restera vers l'arrière. Ok? Et puis là, on souffle, on presse le ballon. On inspire, on relâche un peu. D'accord? On est là. Le genou ne dépasse pas l'autre. On souffle, on presse. On inspire, on relâche un peu. Allez, on souffle, on presse. Attention, hop, on se corrige. On cambre pas au niveau du dos. Allez. Très bien, gardez le ballon, mettez bien la main contre le mur et là on ouvre.
Sur le côté, on revient. On souffle, on ouvre. Voilà, main contre le mur ou pas. On souffle, on monte le genou. Il y a du vent chez vous ou quoi? Mettez la main contre le mur. Allez, on monte. On va sentir dans la jambe d'appui aussi, c'est normal, hein? Allez. Allez, ça s'abosse, hein? Encore. Encore deux. Dire qu'il y a une autre jambe à faire. Le prochain, si ça va, on reste en haut. On tient. On serre. Et on relâche. Aïe, 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 enroulez, étirez. Très bien. On change de jambe. Ainsi. Allez. La main contre le mur. Ok, j'inspire, je monte. Je souffle, je vais vers l'arrière. Allez, on inspire, on monte, on souffle, on va vers l'arrière. Voilà. Si c'est trop dur avec le ballon, on le fait sans le ballon. Allez, encore un peu. Vous êtes prête pour l'arrière, on reste vers l'arrière et on souffle, on presse. On inspire, on relâche un tout petit peu et on souffle, on presse. Allez. Le genou, il dépasse pas, il bouge pas le genou. Ça a bien chauffé. Allez, attention, on va ouvrir. Hop là. On revient. On prend son temps, on ouvre. Allez, on souffle. Encore. Encore un peu. Allez, encore. Encore deux. Le prochain, hop là, on reste, on tient. Aïe, 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 on enroule, étirez l'arrière. Très bien, et on va se mettre au sol. Alors, sur le dos, on bascule sur un côté, hop, on pivote, et on viendra mettre son ballon entre ses cuisses. Ok, on étire bien sa colonne, on étire bien sa nuque. Et pour le moment, on inspire et on souffle, on presse le ballon. On inspire, on revient. Et on souffle, on presse le ballon. On engage bien le périnée. Allez, on souffle, on presse. Encore. La Mimi vient vous dire bonjour. Allez. Soufflez.
intérieur cuisse, hein. Très bien. Le prochain, on inspire et puis on souffle, on fait bien la bascule du bassin, on monte ses fesses. On inspire en haut et on souffle, on repose ses fessiers. D'abord le haut du dos et en dernier ses fessiers. Ok? On inspire en haut et on souffle, on repose. Si ça va, on peut le faire avec les bras vers le plafond. Serrer un petit peu le ballon quand même, pas trop, mais un petit peu. Moi, je peux plus descendre. Allez, voilà. Allez, encore. Allez, là, on restera en haut. On reste en haut. On inspire et on souffle. On vient serrer le ballon. On inspire, on revient. On desserre. On souffle, on presse. En même temps, je serre bien les fessiers. Allez. Encore. On souffle, on presse. Allez, on doit bien sentir dans les fessiers. Serrer le ballon. Allez, encore un peu. Le dernier. Décoller les talons. Hop, je décolle les talons. J'inspire, je repose. Je souffle, je décolle les talons. Que les talons, hein. Vous restez sur vos orteils. Allez, on souffle. Allez, là, ça doit chauffer. Allez, soufflez. Serrez les fessiers. Allez, encore. Le dernier, on reste. On tient. Et on repose d'abord le haut du dos. Hop, hop, hop. Je relâche le ballon et je viens mettre mes jambes sur le ballon. Ah. Les bras le long du corps et puis vous faites glisser le ballon pour détendre un petit peu. Voilà. Allez, on fait glisser le ballon. Très bien, on attrape le ballon avec ses pieds. On vient le mettre dans ses mains. Et puis regardez, on va mettre le ballon en dessous, en bas du dos. Bas du dos, début des fessiers. Ça doit être confortable. Une fois que vous êtes là, vous viendrez vous mettre, ramener un genou poitrine, puis l'autre. Pour le moment, genou poitrine. Ok. Et puis, on va venir se mettre en chaise renversée. On engage bien le centre. On va sentir dans les abdominaux. Ça ne doit pas trop bouger vu qu'on gaine. Une fois qu'on est en place, on inspire, on monte un bras, on va vers l'arrière et on souffle, on ramène. Et puis on alternera bras droit et bras gauche. On inspire vers l'arrière et on souffle, on ramène. Allez.
Ça va, pardon. On fait avec les deux bras. Vous n'êtes pas obligé. On inspire, on monte. Et on souffle, on ramène. Ok, encore. On inspire, on monte. Et on souffle. Allez, encore un peu. Et là, on restera les bras vers le plafond, on maintient. Allez, on tient. Et on ramène les genoux poitrine, on étire. Encore un peu. Le dernier. Et on ramène ses genoux poitrine. On étire. Super. Alors, soit vous refaites celui-ci. Donc, la première option, c'était les bras au sol. On est d'accord? La deuxième option, c'était les bras vers le plafond. Et la troisième option, c'est les bras qui vont vers l'arrière avec les deux jambes. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, j'engage le nombril vers la colonne. Soufflez bien. Encore. Et le prochain, si ça va, on reste. On tient la posture. Très bien. Et on ramène ses genoux. Parfait. Et vous enlèverez le ballon. Allez, viens, viens dehors. Hop là. Très bien. On vient de la se mettre sur un côté. Le ballon entre les chevilles. Et on s'étire, on se grandit le plus possible. Vous devez voir vos orteils. Ok? Allez, installez-vous tranquille.
main devant. Très bien, on inspire et quand je vais décoller mes deux jambes du sol, je n'oublie pas de bien engager périnée, expire, je souffle, je décolle mes deux jambes. J'inspire, je repose. Allez, je souffle. Encore, soufflez. Vérifiez que vos jambes ne sont pas vers l'arrière, hein. Vous devez voir vos orteils. L'épaule bien vers l'arrière. Si ça va, la main sur la couture du pantalon. Et c'est la même chose. Encore deux. Dernier. Et je repose, je pose le ballon, je viens mettre le genou du ciel dessus. J'inspire et je souffle, je décollerai ma jambe du sol. Allez, je souffle, je décolle ma jambe vers le plafond. Allez. Allez, on décolle. Encore. Le prochain, je resterai en haut. Allez, je reste. Je tiens en pied flex. Encore, encore. Et je repose. Je reprends le ballon, je le remets entre mes chevilles. Je vais faire le premier exercice, sauf que je vous rajoute une option. Vous pouvez décoller en même temps le haut du corps, mais toujours dans l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. La tête le plus loin possible des pieds. On souffle. Allez. Si ça va, on met la main sur la couture du pantalon et on fait la même chose. Ne tirez pas dans la nuque, hein. Si vous avez mal à la nuque, reposez. Vous faites que les jambes. Allez, encore deux fois. Le prochain, on reste en haut. Allez, on tient. Et on relâche. On remet le genou hop, sur le ballon. Là, on va retravailler sa jambe du sol. Mais là, vous pouvez décoller un petit peu le pied et vous appuyer un peu dans le ballon quand on va décoller la jambe. Là, on va décoller la jambe, donc on appuie un tout petit peu sur le ballon. Et là, on va faire des petits cercles. Voilà. Allez. Allez, on fait des petits cercles vers l'avant. Et là, ça va bien travailler la taille et l'intérieur de la cuisse. C'est la jambe du sol qui travaille, hein. Allez, encore un peu. Le dernier, on reste en haut. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient.
ramenez les genoux. Très bien. Super, on changera de côté. Allez. Le ballon entre les chevilles. On s'allonge, on s'étire. On vérifie qu'on a bien ses pieds, qu'on voit bien ses orteils. On étire bien sa colonne. Allez, on inspire, on fait un périnée. Hop, je monte. Allez, je souffle, je monte. Allez, encore. Si ça va, la main sur la couture du pantalon. Très bien, encore. Allez, on reste en haut. Le genou sur le ballon et on viendra décoller sa jambe du sol. Allez, on souffle, on décolle. Vérifiez que vous ne camblez pas, que votre dos est bien étiré. Allez, encore un peu. Attention, le prochain, on reste en haut. On tient. Hop là. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on repose, super. On reprend l'exercice avec le ballon entre les chevilles. Et si on veut, on rajoute, je souffle, je décolle le haut du corps. Je ne suis pas obligée. Si j'ai des problèmes de nuque ou d'épaule, vous gardez la première option, vous décollez que les jambes. Ça marche? Allez, on souffle, on monte. Allez, encore un peu. Allez, le prochain, on reste en haut. Si ça va, on met la main sur la couture du pantalon, on tient. On respire par la poitrine, on est en gainage. Et on repose. Super. Allez, là on décolle son pied du sol. Le genou appuie un peu sur le ballon. On décollera sa jambe du sol et là on fera des petits cercles. Allez, là on sent dans la taille et intérieur cuisse.
2. Allez, là, on reste en haut. Allez, on tient, pied flex. Allez, on la monte, on la monte, on la monte. Et on relâche. Super, ramenez les genoux, relâchez. Très bien. On viendra se mettre, regardez, sur le ventre et le ballon entre les chenilles. Je vous explique, vous croisez vos bras, vous mettez votre tête sur vos mains, on étire bien la colonne, comme d'habitude, on écarte un petit peu ses orteils vers l'extérieur, on inspire et on souffle, on presse le ballon avec ses talons, on inspire, on relâche, et on souffle, on presse. Allez, on souffle, on presse. Les jambes ne décollent pas du sol, elles sont au sol. On va sentir dans les fessiers. Encore deux. Obligé, si ça c'était déjà difficile, je reste sur celui-ci. Autrement, j'inspire et je souffle, je décolle les jambes du sol et en même temps je serre le ballon. J'inspire, je repose, je souffle, je décolle et je serre le ballon. Allez, on n'oublie pas le ventre, il n'est pas relâché dans le tapis. Le prochain, on reste en haut, on tient. Et on repose le ballon, on met ses jambes dessus, relâche. Très bien. Remettez le ballon entre vos jambes, mettez-vous les bras en chandelier, donc les coudes un petit peu vers vos côtes, on inspire et on souffle, on décolle que le haut du corps. On inspire, on repose et on souffle, on décolle que le haut du corps, je vais sentir dans le bas du dos. Les jambes restent au sol. Si ça va, je décollerai les bras, je ne suis pas obligée. Deux. Dernier. Et je relâche. Récupérez. Alors, si je veux, je cumulerai les deux exercices. Je souffle, je décolle les deux jambes. Avec le ballon et le haut du corps. Je redescends. Et je souffle. Étirez bien la colonne. Allez.
Et encore deux. Dernier. Et reposez. Relâchez. Mettez les pieds sur le ballon, ça fait du bien. Très bien, reposez vos jambes au sol. Venez basculer vos fesses. Hop, et on pose les fesses sur le ballon. Et on étire. Alors, regardez. Mettez le ballon entre les genoux, les mains sur les genoux. On se grandit. On inspire et à l'expire, je garde mon dos bien droit, je souffle, je descends. Mon dos, il est droit, je ne l'arrondis pas. J'inspire, je reviens. J'engage bien le bas du ventre, je souffle. J'inspire, je reviens. Allez. Je dois sentir dans les abdominaux. Si je ne sens pas, c'est que je n'engage pas le ventre. Maintenant, vous pouvez essayer avec les bras devant, même chose, mais avec un dos droit. Vous devez sentir à fond dans les abdominaux. Allez. Encore. Ça doit trembler, hein? Encore là. Allez, un petit dernier. Et on repose, on allonge ses jambes et on étire. Je descends un petit peu vers l'arrière avec un dos droit et je vais faire passer le ballon en dessous d'une jambe, puis de l'autre jambe. Ok? Mon dos est droit, mes abdos engagés. Allez. Je ne dois pas avoir mal en bas du dos. Si j'ai mal en bas du dos, je me repositionne. Si je ne sens pas dans les abdos, c'est que je ne suis pas assez mise vers l'arrière. Encore un de chaque. Et on étire. Et je vais passer au-dessus, en dessous. Si c'est trop dur, je reste sur le premier. Une jambe au sol. Deuxième option, les deux jambes en chaise renversée. Allez, encore un peu. Là, vous devez même sentir dans les cuisses. Encore un de chaque. Allez, encore un. Allez, encore un. Et on relâche. Très bien, on étire.
Super, on se redresse. Alors, si vous n'êtes pas très très souple, vous gardez les pieds au sol, les genoux. L'objectif, c'est d'avoir un dos bien droit et de monter le ballon vers le plafond et de bien s'étirer, de bien se grandir. Ok? Si ça va, j'ai entendu, c'est vous qui voyez. Et là, le menton, il est près de la poitrine. Et on essaye de gagner un petit peu des centimètres dans chaque vertèbre en étirant bien la colonne. Allez. Allez, on étire. Essayez de pousser le ballon vers le plafond. Ne relâchez pas le ventre. Allez, allez. Et on relâche. On arrondit. Et on y retourne, le même. Allez, soit les pieds, les genoux un peu pliés. Allez, on s'agrandit. Soit les jambes tendues. Encore. Et on relâche. Le dernier, le même. Allez, 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 allez. Et on repose. Super. Étirez. Très bien, vous pouvez poser le ballon et on va étirer ses fessiers. Alors, je vous explique. Vous mettez vos bras vers l'arrière, d'accord? Et puis, vous allez mettre votre cheville droite, hop, sur le genou gauche. Si déjà là, ça tire dans la fesse, vous restez comme ça. Si ça va, vous ramenez le pied, hop, un peu plus. Et puis, vous poussez bien la poitrine vers vos jambes. Et là, vous devez bien sentir l'étirement. Dans le fessier, à droite, redressez-vous, grandissez-vous, plus vous vous rapprochez, plus ça tire. Très bien, on relâche, on change de jambe. Même chose de l'autre côté. Ah, toujours un côté qui est mieux que l'autre. On ouvre bien le genou vers l'extérieur. Et si ça va, hop, on ramène son pied un peu plus, poitrine vers la jambe. Allez, on reste un peu comme ça. Et on relâche. On bouge les jambes. On vient en tailleur. Les mains sous les genoux. C'est bon. Je suis là. Allez, on inspire, on se grandit et on souffle, on arrondit le dos. On inspire, on se grandit et on souffle, on arrondit le dos. Encore. Le dernier, inspirez, soufflez, relâchez, ramenez vos bras vers l'avant, relâchez, relâchez, relâchez.
revient tout doucement. Bravo les filles, merci, bravo. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ça a été. Merci Karine. Oui, merci Karine. Bon, bah super. Donc la semaine prochaine, il faudra un long champ d'aller. Ok. Ok. Bisous. Profitez bien, bisous.